Hey, 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 cucu mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du Réno Déco. Aujourd'hui, nous découvrons cette petite famille. Nous avons donc Annette la verdure, à la garde, malheureusement, et a engendré cette chose qui est donc qui n'est d'autre que son propre fils, Tanguy la verdure, qui est le fils à sa maman, c'est-à-dire que Tanguy n'arrive pas à partir du nid familial. Il le colle aux bottes de sa mère comme une moule sur son rocher et ça l'enquiquine un petit peu, mais bon, pour l'heure, eh bien, nous allons leur offrir une nouvelle maison avec cette starter de Wittenberg. Et bon, avant même que je puisse... en fait, elle a déjà deux chambres, donc c'est con, mais elle a déjà des chambres. Bon, bien sûr, c'est toujours une starter, hein, mais pour deux personnes, ça pourrait le faire, je pourrais ne rien faire. Mais je la trouve quand même très très moche. Donc, on va changer tout ça. Donc, le budget, c'est une starter pour deux personnes. Comme un couple, ça pourrait être un couple, mais en l'occurrence, là, c'est mamie et son grand garçon qui est adulte, hein, qui est jeune adulte et qui ne veut pas partir de la maison. Donc, pour cette pour ce nouvel épisode, on va passer déjà en mode construction. J'ai déjà activé le bébé Move Object, heureusement. Je vais aussi, pouf, mettre comme ça parce que je trouve les toits absolument affreux. J'ai réglé mon minuteur sur 10 minutes, j'ai mis le son à fond. Eh bien, écoutez, je pense qu'on est parti. Attention, c'est le stress. Vous connaissez quand même, j'aime absolument faire ces petits épisodes parce que je suis stressée et je raconte de la merde. Attention, c'est parti. Nous supprimons les toits qui sont dégueulasses. Déjà, je vais mettre aussi en journée, ce sera plus sympa. Je vais choper les briques vers le haut. Je n'aime pas ça. On va mettre des briques comme ça, peut-être. Oui, ce sera déjà mieux. Voilà. Est-ce qu'on va pas changer la forme de la maisonnée? Ce serait pas mal. On va peut-être augmenter comme ça. Oui, c'est très très bien ça. Je valide. Hop, voilà, ça fait un peu plus un carré cube pas beau. Mais bon, c'est pas très très grave. À l'intérieur, on va regarder... Je commence déjà à faire n'importe quoi. On va supprimer tout. Voilà, on supprime tout. On est des ouf. Voilà, la cuisine magnifique. Ça dégage également. Paf, 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 la poubelle, le canapé, les lampes. Tac, tac, tac. Et je vais casser. Non! Ah, mais qu'est-ce que je fabrique? Je vais casser. Ouais, voilà, on va casser tout. Allez, on est des dingues. On va casser tous les murs. J'espère juste pas faire nawak. La dernière fois, j'avais cassé ce qu'il fallait pas, hein. Et j'avais perdu du temps. Mais ça c'est tout moi, ça. J'adore perdre du temps dans mes constructions. C'est un truc de fou. Voilà, on va casser ça et ça. Voilà, on se retrouve un peu comme dans House Flipper avec un truc de maison complètement vide. Alors, je vais aussi augmenter la hauteur des petits... voilà. La porte, elle est pas belle. Bon, ah si, elle est jolie, mais en fait, non. Voilà. Je fais n'importe quoi. Voilà, on va mettre une porte comme ça. Ici, on va prendre quelque chose de plus sympathique. Voilà, comme ça. On va dire ça. Les fenêtres. Mais remontez-moi ces fenêtres, hein, c'est pas possible. Voilà, on va mettre ça comme ça. Ce sera un peu plus joli. Oh là là ! Oh, mais les Sims, vous faites quoi au niveau des fenêtres ? C'est une catastrophe internationale. Hein. Hop ! Supprime. Ah, il y avait une... D'accord. On va la supprimer aussi. Est-ce que je ferais pas mieux de les mettre en blanc? Oui, c'est beaucoup mieux, Jean-Marc. Jean-Marc a raison. Jean-Marc, il parle dans ma tête. Jean-Marc, il me dit « Mets les fenêtres en blanc, connasse !» Alors, fenêtre qui pleure. Bah oui, tu m'étonnes. Fenêtre qui pleure, n'importe quoi. On va faire ça comme ça, on va faire ça comme ça, et on va remettre une fenêtre ici. Bon, je veux pas trop que je perde de temps, hein, parce que c'est bien gentil, mais... je sais pas. La poubelle, on va la mettre là. Ok. Est-ce que on est bien?
Est-ce qu'on est bien? Oh, je vais virer les carreaux parce que j'aime pas ça. On va prendre un parquet. On a 12 000. Voilà, on a tout mis en parquet. On va plus mieux y voir comme ça. Je pense que je vais faire le séjour. Voilà, on va faire le séjour. Comme ça. Ou pas, hein, parce qu'il y a une putain de fenêtre que j'ai mis comme ça. C'est pas très grave ici, ce sera une chambre. Oh là là, le stress toujours pour. Voilà, on va faire ça comme ça. Voilà, il y aura une très grande chambre et une plus petite chambre. Est-ce que je peux peut-être faire comme ça? Voilà, on va dire que. Voilà, oui, c'est bien. On va mettre une lampe là. Une lampe là. Une lampe là. C'est une lampe dégueulasse, ça, non? Alors, toi, t'es. Ouais, ok. Toi, tu vas te mettre là, c'est bien. Tu vas prendre une lampe comme ça et tu vas la mettre là. Et tu vas la mettre là. Oui, alors, c'est pas mal. C'est pas mal. On commence à faire quelque chose de cette maison. On va mettre une couleur. Vraiment, j'ai envie de. Je vais mettre tout la même couleur. Voilà, on est bien. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'était une lampe. Voilà. Hop, on a récupéré des sous. Ok. Là, il y a un parquet rebelle. Ok. Nous allons donc mettre des portes. Parce que sinon, sans porte, on va pas pouvoir aller très loin. On va mettre des portes grises. Alors, on va mettre une porte là, une porte là. Une porte là. Et puis finalement ici, on va faire comme ça. On va couper un peu. Ouais, ça me semble pas mal. On va mettre ça ici. Je vais mettre le coin cuisine là, ça va être bien. Alors, cuisine. Je suis. Je sais pas combien je suis. Moi. Ah là là, ça me. Hein? Une starter. On va prendre. Tiens, ces trucs-là, je les prends jamais. On va prendre cette couleur-là. On va faire un coin-coin. Hop. Un coin-coin, deux coin-coin. Et puis. Un truc comme ça. Un truc. Voilà. Voilà. Ouais. C'est très bien. La cuisine est parfaite. On va mettre le frigal ici. On va mettre la cuisinière. Là. Ouais, ou pas. Je vais la changer, je vais la mettre ici. Il nous faut un évier, un évier, un évier, un évier. Eh ben, ici, voilà, on a la cuisine de fête. On va mettre un micro-ondes. Putain, pourquoi ils sont si gros ces micro-ondes? Bon, c'est vrai qu'en même temps, les micro-ondes, dans la vraie vie, sont gros, donc on va pas le mettre. On va mettre une cafetière. Eh bien, un truc bien chiant. Hein, la cafetière, c'est bien chiant. Là. Casse-moi pas les pieds. Salle à manger. Salle à manger, salle à manger. Qu'est-ce que tu fais? Tu me casses les pieds. Ouais, on va mettre ça là, c'est très bien. On va prendre des chaises. Ah là 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 là, je vous jure, j'ai l'impression. J'ai pas une autre couleur. Ouais. Comme ça, nickel, chrome perfect. Voilà, quand mamie. Enfin, mamie. Quand maman, mamie, elle fait à manger, eh bien, voilà, hein, c'est comme ça. Hop, on va mettre la petite théière là, on va mettre le petit sopalin. Et casse-toi, PC là, ma souris, elle fait des conneries, mais ma souris. Je suis en train de me perdre déjà dans des trucs. Non, vas-y, commence pas à faire de la merde. Shirley, ne fais pas de la merde. Allez, arrête, c'est bon, tu vas faire. Le canapé, c'est ici. Ah là là. Qu'est-ce que je perds comme temps? C'est pas possible. Alors, deux canapés. Deux canapés. On va faire des canapés un peu vieillots parce qu'on est chez mamie, hein, n'oublie pas. Voilà, super. Eh ben, franchement, top moumoute. On va prendre une couleur qui est peut-être en accord. Ah bah voilà, super. Et en accord avec le hein? Oh là là! La grande table, allez, on l'utilise jamais parce qu'on sait très bien qu'elle est immense et que, et ben voilà, les Sims, ils ont bu un coup de trop quand ils ont fait cette table. Elle est très jolie, mais elle est très très grande. On va mettre un tapis, un bon petit tapis à mamie. Est-ce qu'on peut l'agrandir? Non, ça fait pas joli. Allez, on va mettre ça bah, comme ça, on s'en fout. On va mettre une télé. Voilà, la télé.
Une petite. Oh là là, je me reste. Oh, j'ai plus de budget. J'ai plus de budget. Stop la télé. On va remettre une autre télé. Pas cher. Pas cher. Pas cher la télé. Putain. Allez, dépêche-toi là. Tu fais des conneries. Tiens, est-ce que tu peux mettre la télé par-dessus ça, hein? Non, tu peux pas. Bah voyons. Tu me casses les couilles, toi. Oh. Sinon, ça fait jamais. Mais. Je suis en train de faire. Ah. Ah oui, ça c'est la bonne table à mamie, ça. Oh, ça c'est la bonne table à mamie, ça. Alors, on va remettre la vieille télé. Voilà, donc du coup, celle-là, elle est trop grande, on va la virer. C'est un... Voilà. Mamie, on va dire qu'elle a la vieille table hein, depuis longtemps, mais c'est pas grave, elle est jolie. On va la laisser comme ça. Ok. Oh, la télé est minuscule, on va l'agrandir, voilà, ça fait déjà un peu plus. On va attaquer quand même les chambres, parce que là, je suis dans la merde. On va mettre deux lits doubles. Si j'ai assez de budget, on va mettre. C'est pas grave, on va mettre ces deux-là. Hop. Hein? On va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Je vais du coup changer la fenêtre et la mettre ici. Je vais changer la couleur. Voilà, super. Franchement, top moumoute. Il me reste plus beaucoup d'argent. Je vais mettre des petites. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est parfait. Tu vas te mettre là. Et toi, tu vas être un peu plus clair. Et tu vas te mettre là. C'est le seul endroit où il y a encore un peu de place. Salle de bain. Salle de bain, les enfants. On est obligé d'y passer. Je vais pas avoir assez de budget. Et ça, c'est vraiment débile. On va juste se mettre une petite douche pas chère. Voilà. Et un petit lavabo aussi. Ta la la la. Avec un petit miroir. Bon, la starter, voilà. Il y a tout ce qu'il faut là où il faut. On va juste prendre le sol. Gna gna, carrelage. Ah bah non! Et bah voilà. On n'a pas eu le temps de mettre des carrelages, mais... Bon, il n'y a aucune déco. Il n'y a strictement aucune décoration. Et j'ai pas fait les toits! Bon, et bah c'est pas grave. Voilà. Hein? Et ben, quand même. Bon. Ça me frustre du coup, j'ai oublié de faire les toits. La maison est de nouveau. Voilà, bon, bah c'est une starter. Hein. Il reste 304 simflouzes au niveau budget. Voilà, hein. Il y a un espace pour mamie et son fils. Là, j'aurais bien voulu faire deux salles de bain, mais en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Voilà. Ah, je vous jure, on va retourner en mode. Attendez. On va retourner en mode. Qu'est-ce que je fabrique moi? Non, oui, si je suis pas au bord. Pardon. On va dire que elle va réclamer ça. Et elle va s'asseoir. Et toi, tu vas réclamer ça. Non, tu vas même pas t'asseoir. Tu vas après faire à manger pour ton fils. Tu vas faire des sandwichs au fromage fondu. Et nous allons pouvoir admirer cette magnifique bâtisse dans les yeux de mamie. C'est parti. Oh là là, le toit qui n'existe pas. Bon, il y a quand même du mieux. Regardez, la maison est quand même mieux faite, hein. On va pas déconner, hein. Bon, elle se dit. Ah, bah, elle va faire à manger avant. Et lui, il rentre dans la maison. Il va s'installer. Il va regarder la télé comme un bon garçon à sa mamie, à sa maman qui ne fout rien et qui squatte la maison. Voilà, qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde le mur. Ah bah oui, mais il n'y a pas grand-chose, hein, Annette. Il va falloir que que ton fils et toi, vous travaillez pour ajouter des choses. Ah bah, hop, elle tartine sur la gazinière. Et lui, regarde la télé tranquille. Une nuit, son cuisine, comme ça, il peut critiquer ce que sa mère fait. Qu'est-ce qu'il fait? Mais non. Mais aller dans la chambre, peut-être, non, à un moment donné? Oh, un petit lapin. C'est Pâques. Non, il va faire lui-même à manger. Il va faire une salade, lui. Voilà. Eh ben voilà, eh ben voilà, ça c'est un vrai Tanguy ça, hein. Elle mange son truc, ben voilà. Bon, est-ce qu'ils peuvent quand même aller dans leur chambre? Ou pas? Ou pas? Je suis en train de me prendre la tête. Je suis en train de me prendre la tête pour pas grand-chose. Attendez-moi aussi! Oh là là! On va prendre lui et on va regarder sa chambre. Mince! Il y a un problème avec la porte. La porte, elle s'ouvre dans, elle donne dans la. En fait, logiquement, il ne pourrait pas. Il pourrait pas du tout rentrer dans sa chambre, quoi. Bon, et elle est assise sur son lit. Regardez, j'ai.
Un sacré. Je suis vraiment une nunuche pour la construction. Ah oui, mais je suis. Oh, c'est pas grave. Je fais vraiment n'importe quoi. Je pense que j'ai pas touché aux Sims depuis une semaine et je fais du n'importe quoi. Alors, oui, alors du coup, je suis pas dans la caméra que je voulais. Oh là 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 là. Voilà, en fait, cette porte, elle va s'ouvrir. Tac, elle s'ouvre là. Donc en gros, il peut même pas rentrer vraiment dans sa chambre. Ah, voilà, bon, c'était le nouveau désastre de Renault Déco. J'espère que cette petite vidéo de fail vous aura plu. J'ai quand même, je pense que c'est quand même beaucoup mieux qu'avant. J'ai quand même tout ce qu'il faut. Il faut bien sûr que je m'améliore. En tout cas, moi, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo construction. Peut-être un speed build. Bien sûr, il faut le temps que je les fasse. Moi, je vous embrasse. N'hésitez pas à vous abonner, liker, faire un commentaire et à regarder les petites publicités sur YouTube. Gros bisous. Salut!